pense que oui, il y a. Allez. Il peut être à bout de course, hein. il a oui, mais même je pense que déjà sur la prise de balle, normalement, Sadio a l'habitude, sur sa première prise de balle, de mettre au moins à 1 mètre son défenseur. Et c'est le moment d'accélérer, d'aller chercher ce but. Niakhaté avec Senidjian, Koulibaly, Ismaël Assar, Formose Mendy, Koulibaly. Koulibaly avec Niakhaté, Sadio Mané. Et Sadio. Mané poursuivi par Lamek. Mané avec Ismaël Assar sur le côté droit. Mané Illiman Ndiaye. Illiman Ndiaye face au jeu. Ah, il a voulu jouer la carte individuelle. Ah, il y avait mieux à faire. Oui, il y avait mieux à faire. Et là, ça montre un peu, je ne vais pas dire le dépit, mais ça montre toute la nervosité qui existe vraiment pour ce match-là. Hein. On avait envie de marquer rapidement. Le 4-0 a peut-être mis la barre trop haute pour ce qu'on attendait de voir pour cette équipe du Sénégal qui était, pour moi, convalescente depuis quelques matchs. Mais là, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. On a 6 minutes, Ibrahima. Il y a de la place. 6 minutes de temps additionnel. Les Lions du Sénégal ont 6 minutes pour forcer la décision. Dans ce match face au Malawi, Ismaël Assar. Ah, la passe n'était pas bonne. Ismaël a parfois un jeu trop stéréotypé. Ismaël a un palier qu'il devrait pas passer depuis quelques années. Ouais, peut-être que le fait d'être sur le banc, ça peut le piquer. Il faut faire jouer la concurrence. S'il sent qu'il y a de la concurrence, il peut s'améliorer. Mais il peut proposer mieux que ce qu'il fait depuis quelque temps. Il a le potentiel, il a de la qualité, mais parfois il est irrégulier en sélection. Mané. Sadio Mané. Hey, Sadio. Le centre de Mané, le renvoi de Chambézi. Les Malawites qui peuvent partir en contre. Ah, il y a un très bon retour de l'Hadj Malick Diouf, accroché par Idana. Qui prend. Idana qui fait une faute. Et que. Bah, il se couche. C'est lui qui fait la faute, c'est lui qui se couche. C'est sûr, ils sont en train de jouer. Allez, la carte du match nul, je pense que pour eux, c'est un très bon résultat. Faire match nul face au Sénégal, déjà après, c'est un très bon résultat pour le Malawi. Bah, alors, Idana, lui, attends, il a raté sa profession de comédien. Hein. Ouais. C'est pas fini. Ah, c'était mal joué. C'est lui-même, Idana, qui voulait combiner avec Saizi. Mais la passe était mal dosée. Koulibaly avec Papgueye. C'est là qu'il faut accélérer. C'est là où on perd beaucoup de temps. Nous sommes dans le money time, comme on dit. Oui, mais justement, sur cette partie de terrain là où on récupère le ballon, Ismaël c'est là qu'il faut qu'on accélère. Le débordement d'Ismaël Assar. Ah, il est à la lutte avec Salouimbi. Il a réussi à centrer. Le deuxième ballon avec Hadj Malick Diouf. Oh. Au-dessus des buts de Chikuka. Et Chikuka qui va. Ouais, l'arbitre lui fait signe de se relever rapidement. Ah, c'est de bonne guerre pour eux, c'est de bonne guerre, ils vont profiter. Tefema est un arbitre très exigeant. Et là encore, la frappe. Allez, le corps en arrière, ce qui fait que cette balle monte. Long ballon de Chikuka. Ndjiliwa battu dans le duel par Hadj Malick Diouf à la récupération Papgueye. Papgueye avec Sadio Mané. La tête de Moisé. Ballon récupéré par Pape Matar Sarr qui combine avec Illiman Ndiaye. Illiman Ndiaye. Illiman a bien vu Formose Mendy. Ballon un peu trop fort. Formose a évité la touche. Koulibaly. Et on revient 20 mètres en arrière alors qu'on était sur une phase offensive. Pour une passe qui n'était pas bien ajustée. Koulibaly. Papgueye. Papgueye avec Illiman Ndiaye. Allez Illiman. Illiman Ndiaye qui décale pour Hadj Malick Diouf. Le centre en mouvement. Et la tête de Moisé. Personne.
Le contre Malawit avec Idana. Et là, il y a faute, non? Non, je pense pas. C'est... Ils sont télescopés. Ah, non, non, ils sont télescopés. Les Flames qui réclament le coup franc. Et Tessema, Nanakur, je vois se poursuivre. Koulibaly avec Pamatar Sarr. Mané. Mané vers l'intérieur. Par Sadio Mané. Une faute. Accroché. Il y a une faute. Ah oui, il y a faute, sur Sadio Mané. Et c'est ça l'expérience. Et c'est ça l'expérience. C'est ça l'expérience. Ouais. Il a provoqué cette faute. Il est allé la chercher. Et le carton est de sortie. Si c'est pour Tchambézi, c'est un rouge. Hein, parce qu'il est déjà averti. C'est Nixon ou Tchambézi qui est averti? Ah, ah non? Ah, ouais, ça, c'est le vécu. C'est l'expérience de Mané. Et les Malawites ne sont pas d'accord avec l'arbitre éthiopien. Mais Ibrahima, je pense que là, maintenant, il faudrait se concentrer. Ouais. Je vais dire, c'est la dernière ou l'avant-dernière. Ça peut être la balle de match. Voilà, c'est la dernière ou l'avant-dernière. Ça peut être la balle de match. En tout cas, c'est un coup franc. Alors, qui on dans l'axe du but, très bien placé. Là, nous sommes, disons, au 20-22 mètres. Là. Maximum 22 mètres. Oui. Maximum 22 mètres. Ça peut être la balle de match. Les Lions nous ont parfois habitués à marquer dans le money time. Bon, ils nous ont surtout habitués à des fins de match épiques, que ce soit pour des victoires ou pour des matchs nuls. Donc je pense que voilà, Illiman qui gêne le gardien. Nous sommes à la 96e minute. Et c'est Pape Gueye. Dans la dernière minute du temps additionnel. Celui qui la prend, il faut qu'il soit sûr. La balle de match. Il faut qu'il ait envie de la mettre dedans. Pour les Lions du Sénégal. Et pour se qualifier. On va tirer avec lui. À la prochaine canne. C'est Mané ou Pape Gueye qui va forcer la décision face au Malawi. C'est Sadio Mané. Mané. Ouais, c'est le Mané. C'est Sadio Mané qui qualifie le Sénégal. À la prochaine canne. Mister Mané, le général est là pour marquer son coup franc direct, son 46e but avec l'équipe nationale du Sénégal. Un but ô combien précieux qui qualifie le Sénégal pour Maroc 2025. Alors la route de Maroc 2025, il y avait une seule personne qui pouvait nous amener là-bas. Il y avait une seule personne qui pouvait pousser cette équipe au plus profond de l'impossible. C'est Sadio Mané, c'est Monsieur Sadio Mané. Et je continue à dire, c'est le patron de cette équipe-là. Même si tout à l'heure on disait qu'il lui manquait un peu d'explosivité, que le Sadio Mané d'il y a quelques années ne pouvait pas rater cette occasion-là. Même si on disait qu'il était en deçà de ses capacités, il reste un joueur intelligent. Il reste le monsieur Sénégal et il reste le Sadio Mané, le numéro 10, un des meilleurs joueurs africains des 10 dernières années. Ah oui, quel coup franc de Sadio Mané. Et là, Ibrahima, c'est un bijou. Il prend à contre-pied le gardien. Chikuka. Regardez, Ibrahima, regardez justement là. Le mur malawite.